La grève des éboueurs, ça recommence dans la région de Marseille. 2 millions d'habitants sont concernés. Les poubelles s'entassent déjà dans les quartiers sud de Marseille. Un préavis de grève illimité commence donc aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats. Pourquoi ? Pour dénoncer l'accord sur le temps de travail qui avait été signé en octobre lors de la dernière grève. Un accord qui ne prend pas suffisamment en compte la pénibilité des agents. C'est ce que nous dit Véronique Dallot de la CGT. Dans les jours qui viennent, les agents ils se mettent en grève de plus en plus nombreux et dans de plus en plus d'endroits. Évidemment que ça met des poubelles dans les rues, mais il faut que les habitants le sachent. Donc ce sont vraiment des agents qui souffrent par leur travail. Donc il faut reconnaître cette pénibilité. Encore une fois, c'est pas un avantage, ils n'ont pas des salaires de millionnaires. En revanche, ils ont le droit de travailler moins que les autres parce qu'ils s'abîment énormément. Que ce soit bien clair pour les habitants, ils ne sont pas ravis de faire grève du tout. Ils sont désolés de ce qui se passe. Mais en même temps, du côté de la métropole, il n'y a pas de réponse.